Il me cassait la tête. Caroline, MAPR6, fait une révélation sur le lendemain de son mariage avec Axel. Caroline vit à 1000 à l'heure entre son entreprise de conciergerie, son fils loup Gabriel et les animaux à qui elle propose un refuge. Mais la jeune femme avait la sensation que quelque chose lui manquait, aussi avait-elle décidé de tenter sa chance en postulant au casting de mariée au premier regard. Très vite pourtant, elle déchantait voyant sur sa route de nombreux signes lui prouvant qu'elle s'était fourrée dans une grosse galère. Sa rencontre avec son futur époux dans les jardins de Gibraltar a été la confirmation de ses craintes et de celles de sa mère. Le doux Axel ne correspondait en rien à l'homme de ses rêves. Pas assez investi dans l'écologie pour cette végane convaincue. Axel avait même un penchant coupable pour le chocolat industriel. Un péché mortel pour la jolie brune. Et Axel ne se rattrapait pas sur le plan physique, pas au goût de son épouse. En off, Caroline confiait brut de décoffrage, c'est pas vraiment mon style. C'est vrai que j'ai pas le coup de foudre pour le physique. Moi j'aime les hommes vraiment grands. C'est vraiment un des pires moments de ma vie. C'est horrible de dire ça mais c'est vrai. Je suis vraiment mitigée entre j'ai envie de partager ma déception et en même temps je ne peux pas lui faire de la peine comme ça. Après une nuit difficile et une vague tentative de faire connaissance soldée par un cuisant échec. Axel avait fini par comprendre les signaux envoyés par son épouse et avait décidé de jeter l'éponge la laissant enfin rentrer dans ses montagnes du Kera. Après cette expérience terriblement gênante, Caroline n'avait pas mâché ses mots. N'hésitant pas à remettre en cause les compétences des deux experts de l'émission Estelle de Saint et Pascal de Sauter. Et si le chapitre de cette histoire semble définitivement tourné, la mention MAPR ne figure plus dans le nom du compte Instagram de Caroline. Elle semble avoir gardé quelques griefs contre certains. Ce 23 novembre, la jolie brune a publié une photographie de loup Gabriel datée du 30 septembre 2021. C'est-à-dire le lendemain du mariage à Gibraltar. On y voit le petit garçon, un pansement sur le front. L'œil enflé et une partie du visage éraflée. Caroline explique en légende, « Mon fils a eu un accident avec son père. Je voulais absolument rentrer chez moi et le psy me cassait la tête avec ses « Vous êtes sûr que vous avez donné une chance à Axel alors qu'il savait pertinemment qu'on se foutait de ma gueule, et de celle d'Axel aussi d'ailleurs. C'était tellement malsain. Je voulais juste retourner dans ma vie pleine d'amour et de sincérité et retrouver mon bébé tout cassé. Point. Virgule a-t-elle expliqué. Les chaleureuses retrouvailles entre le psy belge et Caroline, ce n'est pas pour tout de suite.